Matthieu chapitre 8, non, Matthieu chapitre 28, au verset 19, il est dit, allez, virgule, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, virgule, du Fils et du Saint-Esprit. Les gens parlent de la Trinité, tout ça, là, ils me font rigoler. Bon, il n'y a pas que trois, parce que la Trinité, il faut laisser ça. Si vous ne maîtrisez pas les choses, il n'y a pas trois, c'est quatre. Même les catholiques le font sans le savoir. Quand ils font le signe de croix, ils disent le Père, le Fils, le Saint et l'Esprit. C'est quatre, parce qu'il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint et il y a l'Esprit. Ça fait quatre. Et le Saint, c'est celui qui est en face de vous. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, quand on dit, et on sait que dans Matthieu 28, verset 19, cette version s'est mal traduite. On va aller dans la Bible de l'épée. Il est dit, allez donc et instruisez toutes les nations. Quand on dit les nations, c'est les nations connues du peuple. Toutes les nations, les consacrant et non les baptisés dans l'eau. Mais les consacrant au nom unique du Père, virgule, savoir du Fils, virgule, c'est-à-dire de la sainte présence divine. Donc, rajoute divine, virgule.